Humboldt, il y a 200 ans, a essayé de repenser les universités qui jusque-là avaient essentiellement des facultés de théologie et de facultés de droit et de médecine. Et ce qu'il a dit, c'est que l'université doit être un lieu où on doit être libre d'apprendre, libre d'enseigner, libre de faire de la recherche et où l'étudiant doit pouvoir trouver des mentors bienveillants qui l'aident à développer ses projets. Donc la vision de Humboldt est évidemment une vision très intéressante. Elle n'est pas complètement mise en œuvre partout, mais le CRI cherche à développer cette stratégie et on pense qu'elle est d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'à l'heure du numérique, on a besoin de faire ce genre de choses. Et c'est aussi plus facile de le faire qu'hier. Donc les meilleures universités mondiales forment par la recherche leurs étudiants et la question c'est comment faire pour offrir au plus grand nombre les avantages de la formation par la recherche.